On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On est dans le monde scolaire aujourd'hui. On va vous faire découvrir le programme de dessin industriel à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean. Mais d'abord, vous savez, là, c'est nouveau. À partir de septembre 2017, les enfants du primaire vont commencer à 8 h et ceux du secondaire à 9 h. Inversion des horaires à la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Ça fait évidemment plusieurs années qu'on parlait de ce projet. Il y avait même eu une tentative, il y a un certain temps, d'inverser les horaires du primaire et du secondaire au niveau de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Eh bien là, voilà, c'est fait. Même un vote unanime au dernier Conseil des commissaires sur cette question. Donc, dès septembre 2017, les jeunes du primaire vont commencer à 8 h le matin et ceux du secondaire à 9 h le matin. Pour parler de cet enjeu et d'autres avec nous, la présidente de la Commission scolaire, André Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je me rappelle, il y a plusieurs années, parce que mes enfants, moi, fréquentaient le primaire quand on avait eu le premier projet d'inversion des horaires. Et à l'époque, on nous disait grosso modo qu'au Québec, c'était à peu près 50 % des commissions scolaires dont les jeunes commençaient à 9 h, primaire, j'entends, ou d'autres commençaient à 8 h. Et finalement, le projet avait avorté parce qu'il y avait trop de mécontentement à l'époque? Oui, à ce moment-là, on avait fait des consultations publiques. Ouais. Et oui, les parents s'étaient manifestés contre le projet. Il y avait aussi toute la question que l'organisation des familles, c'est-à-dire que les élèves du secondaire gardaient les plus jeunes. Il y avait des habitudes familiales. Alors que maintenant, il y a des services de garde dans les écoles. Ouais. Puis on est moins à une ère où est-ce que les ados gardent les petits. Les ados, ils ont des occupations, ils travaillent, ils font du parascolaire. Alors, ça se posait moins. Mais tout ceci émane, et vous me le rappellerez, là, d'une certaine étude qui tendait à démontrer que les jeunes du primaire sont plus disposés un peu plus tôt le matin et ceux du secondaire, les ados, qui ont besoin un peu plus de sommeil, semble-t-il, sont plus efficaces peut-être un petit peu plus tard. C'est pas grand-chose, une heure de différence, mais semble-t-il que selon certains experts, il y a une disposition à l'apprentissage qui est supérieure. Les études sont unanimes à ce sujet-là. Même les études en santé publique témoignent que le eux autres, ils appellent ça le cycle circadien des adolescents. Ils sont davantage prêts à l'apprentissage quand ils se lèvent un peu plus tard le matin. Puis, contrairement à ce que les gens disent, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils vont se coucher plus tard. Mais selon les études, ils se couchent déjà tard. Ils ne se coucheront pas nécessairement plus tard, mais ça va faire une heure de plus pour dormir. Bon. En même temps, et vous me le rappellerez, mais quand on avait parlé de ce projet-là il y a quelques années, on était aussi au lendemain des fusions des commissions scolaires. Ouais. Et vous aviez une portion du territoire, je pense, qui était déjà sous cet horaire-là. Oui, l'ancienne commission scolaire provençale, c'est-à-dire tout le Saint-Césaire, Saint-Paul-d'Abbotsford, Ange-Gardien, Rougemont. Alors, on avait une portion de la commission scolaire qui était sous cet horaire-là. Mais eux ont continué sous cet horaire-là ces dernières années? Oui. Et ce n'était pas complexe pour l'organisation scolaire avec la commission? On organisait, vous savez, à la fusion, on a choisi nos batailles. Ouais. Ce n'est pas une bataille qu'on aurait menée, compte tenu du fait qu'on voulait s'en aller. Il y avait une petite portion qui l'avait déjà. Je ne pense pas que ça aurait été correct. Et là, aujourd'hui, au Québec, quelle est la proportion des commissions scolaires qui ont un horaire plutôt qu'un autre? Est-ce que ça tend... C'est autour de 80 %. On est rendu à 80 maintenant? Ah oui, puis même en Montérégie, c'est toutes les commissions scolaires qui sont sur cet horaire. Dont les jeunes du primaire commencent à 8 heures. Absolument, oui. Bon. Donc, un vote unanime au Conseil des commissaires? Oui, puis on a eu des avis favorables du syndicat de l'enseignement, des professionnels, du personnel de soutien. Puis ça faisait quelques années que c'était une demande de certaines écoles primaires, dont celle qui était piétonnière, entre autres. Bon. Deux choses l'une, par contre. Parce qu'au moment avant de voter cette résolution, il y a quand même certains parents dont les élèves fréquentent les programmes sport, arts, études qui avaient des inquiétudes à l'égard de cette inversion des horaires. De quelle façon avez-vous pu les rassurer? C'est pas terminé. On est encore en négociation avec les fédérations sportives, entre autres. Puis il y a probablement certains sports-études qui vont devenir des concentrations. Ouais. À cause, justement, de l'horaire, la journée va se finir un peu plus tard et il y a certaines fédérations qui ont des contrats, alors ils ne peuvent pas respecter ça. Mais on est en train de continuer les travaux. Mais si 80 % des commissions scolaires fonctionnent avec ce genre d'horaire, en quoi, chez nous, ça vient causer un problème ou un préjudice
aux élèves du programme sport-études? Bien, c'est parce que ça faisait... On est partenaire avec les organismes de sport-études. Puis depuis 12 ans, on fonctionnait de cette façon-là. Il y a toute une question de plateau sportif. Oui. Par exemple, si ton sport, le hockey, s'il finit à 4 heures, peut-être qu'après 4 heures, la glace est louée. Alors, il y a des ententes à prendre avec localement. Absolument, absolument. Donc, ce n'est pas un enjeu national, c'est non, un enjeu très, très local. Pas du tout. Je dirais que les plus... où est-ce qu'il y a plus de problématiques, c'est pour une quarantaine d'élèves athlètes qui sont accrédités par leur fédération. Ce sont des élèves de l'élite. Alors, c'est des jeunes, c'est ces élèves-là... Où est-ce qu'il y a le plus de difficultés? Mais parce eux, que... généralement, que le secondaire... OK, c'est parce qu'avant, vu que le secondaire commençait à 8 heures le matin, ils faisaient plus d'académique le matin. C'est ça. Et l'après-midi, ils faisaient le sport. Absolument. Là, le fait que les cours commencent à 9 heures au lieu de 8 heures, oui. Ça fait en sorte qu'ils sont un peu décalés dans leur entraînement l'après-midi? Oui, à la place de commencer à 1h30, ils vont commencer vers 2h15. Alors, ils vont finir 3 quarts d'heure plus tard. Et c'est là que ça crée c'est un là. Problème oui, pour oui. quelques élèves-là. Oui, oui. Et là, vous dites que vous êtes en négociation avec les fédérations pour régler ça? Bien, régler ça, je ne sais pas si on va réussir à le régler. C'est ce que je souhaite, parce que même si c'est 40 élèves élites, on tient à tous nos élèves. Mais si jamais on ne réussissait pas à s'entendre avec les fédérations, on pourrait quand même autoriser ces élèves-là à extraterritoriales, à des ententes extraterritoriales sur le territoire où est-ce qu'ils pourront s'entraîner selon les heures prescrites par la fédération. Bon. Mais ce n'est pas ça qu'on souhaite. Toujours dans le contexte des horaires, de l'inversion des horaires et tout ça, il y a le syndicat de l'enseignement du Richelieu qui, disons, a dénoncé la décision de modifier la grille horaire du primaire, sous-pesant que pour certaines spécialités, ça pouvait créer problème. Parlez-nous un peu de cet enjeu-là ou des négociations que vous avez eues avec le syndicat de l'enseignement du Richelieu. D'abord, d'entrée de jeu, je vous dirais que c'est un autre dossier. C'est pas ça. Du tout en lien avec la modification d'heure d'entrée et de sortie. De commencer à 8 ou 9 heures le matin, pour le syndicat, ça ne change rien. Puis de toute façon, il avait donné un avis favorable à cette modification-là. Bon. Là où est-ce qu'il y a un dilemme? C'est que le Conseil des commissaires a donné un mandat à la direction générale et par là même aux ressources éducatives d'en arriver à l'équilibre budgétaire. Puis l'équilibre budgétaire, ça passe par le respect des règles de financement du ministère de l'Éducation et la tâche enseignante. À la commission scolaire des Hautes-Rivières, au primaire, un enseignant titulaire doit enseigner 1230 minutes par semaine. Ça a l'air bête comme ça, mais le temps des enseignants, c'est calculé en minutes. À la commission scolaire des Hautes-Rivières, puis ça date de plusieurs années, c'est des choix qu'on avait faits. Les enseignants titulaires au primaire enseignent 1208 minutes en présence des élèves. Ça ne veut pas dire que les 22 minutes, ils ne travaillent pas, là. Ils font du travail de nature personnelle, ils font d'autres tâches dans l'école, mais ils ne sont pas en présence d'élèves. Alors, ces 22 minutes-là sont assumées par des enseignants spécialistes. Ce qui fait qu'en bout de course, vite comme ça, c'est comme si on payait 22 minutes deux fois. Ce qui, en bout de course, pour la commission scolaire, provoque un déficit annuel depuis plusieurs années dans l'enveloppe de la masse salariale des enseignants, un déficit d'autour de presque 1 million de dollars par année. Et donc là, en modifiant... Oui. Vous venez régler cet enjeu-là, oui. ce problème-là? Une meilleure organisation du travail, puis on va tendre à l'équilibre budgétaire, le respect des règles du gouvernement. Bon, mais vous n'avez pas à rouvrir nécessairement les conventions pas du tout. Pour ça? Pas du tout. On va faire ce changement de grille horaire-là, va se faire en tout respect de la convention collective, du régime pédagogique et du financement du ministère. Ça va se faire en tout respect. Mais est-ce que ça peut mettre en péril l'enseignement de certaines, ou disons, de certains services spécialisés dans les écoles primaires? Il va y avoir des choix qui vont être faits. Les matières comme l'anglais, l'éducation physique, l'art et la musique, c'est le temps alloué à ces matières-là est d'ordre indicatif du ministère. Alors, il y a des choix qui vont être faits dans les écoles. Puis d'ailleurs, à cet effet-là, il y a déjà des équipes écoles qui ont commencé
à s'entendre avec la nouvelle grille qui va être appliquée dès septembre 2017. Bon. Vous avez rencontré le ministre de l'Éducation, M. Proulx. Oui. Qui tient bon. Oui. Il y a presque un record de longévité. Ben oui. On est content. Bon. Donc là, vous avez un porte-parole qui, visiblement, là, demeure le même. Là, il y a les consultations sur l'éducation. Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez dit au ministre? Bien, d'abord, moi, je suis allée pour représenter le regroupement des commissions scolaires de la Montérégie. Alors, on lui a répété, il y avait un document de travail sur lequel on s'est montré d'accord. Par exemple, sur l'éveil à la lecture, l'éveil à la numératie dès le plus jeune âge, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on était d'accord. On a voulu le sensibiliser toutefois sur le dossier de la formation professionnelle en Montérégie. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir des cartes en Montérégie si on veut être en adéquation avec le milieu de l'emploi. Souvent, le temps qu'on demande une carte particulière, un programme, là, les employeurs, ils se sont arrangés autrement, eux. Puis il y a aussi le fait que nos élèves en Montérégie ne sont pas aussi mobiles que ça. C'est-à-dire qu'on demande des programmes souvent au ministère et sous prétexte qu'il y en a à Montréal, ils ne nous l'accordent pas. Mais nos jeunes ne sont pas si mobiles que ça, nos jeunes en formation professionnelle. Puis on est allé parler aussi, évidemment, des difficultés de transport entre les municipalités. Longueuil-Montréal, ça se fait bien. Ou Marieville-Longueuil avec la 112, ça se fait bien. Mais un élève qui est à l'école et qui veut faire de la formation professionnelle, c'est pas si simple que ça. Alors, c'est un peu ça dont on est allé parler avec le ministre. Est-ce que le ministre s'est montré ouvert, réceptif? Est-ce qu'il avait des questions particulières ou est-ce qu'il avait le même l'air à apprendre des choses qu'il ne connaissait pas des enjeux? Écoutez, on était à la 13e séance de consultation et j'ai bien l'impression que ça tourne toujours autour des mêmes dynamiques dans les commissions scolaires. Il y avait les centres à la petite enfance qui étaient là, il y avait les syndicats aussi qui étaient là, qui se présentent devant le ministre. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une écoute. On l'a aussi sensibilisé au fait qu'il y a des choses dans son document de consultation qui relèvent du régime pédagogique. Ouais. Tu ne peux pas faire une politique nationale avec des éléments auquel tu ne pourras pas toucher. Alors, on a essayé de le sensibiliser à ça. Mais justement, concernant la politique de la réussite, là, ouais. Dans le fond, le message que vous passez au ministre, c'est, bon, on peut bien évidemment s'entendre sur un certain nombre de choses, mais vous ne voulez pas, vous, comme commission scolaire, ultimement, que le ministère vous dise quoi faire. Absolument pas. Puis il pourrait pas le faire. Vous voulez vous garder une marge de manœuvre, là. Absolument, oui. Puis on en a besoin pour répondre justement aux demandes qu'il y a dans le milieu. Le Québec est très différent, très diversifié. Et on a des zones rurales, des zones urbaines. Alors, je pense qu'il faut respecter les milieux. Est-ce que le fait que la Montérégie soit si près de Montréal, ça entraîne peut-être une certaine confusion auprès des décideurs à Québec qui se disent, bon, dans le fond, Montérégie, c'est à côté de Montréal. Donc, on mélange un peu tout ça en se disant, ils sont juste à côté. Oui. Oui, ça génère une certaine confusion. Pourtant, c'est grand, la Montérégie. Là. Oui, c'est de Sorel à Vaudreuil, à Actonville. Là. Il y en a du territoire. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs commissions scolaires. Il y a 9 commissions scolaires en Montérégie. Mais pour vous, donc, la notion de transport devient assez importante, surtout dans le cas de la formation professionnelle. Oui. Ou si on veut faire un tel programme, puis oups, il n'est pas disponible ici, mais il l'a à Valleyfield ou à Sorel ou à Châteauguay ou à Longueuil. Forcément, ça entraîne des déplacements. L'élève doit se déplacer. Là. Oui, puis il y a la politique nationale sur la réussite éducative. On a dit au ministre aussi, puis il y a plusieurs qui lui ont répété, que s'il veut faire une politique nationale là-dessus, il faut s'entendre que l'éducation, c'est une priorité. Puis il faut qu'il y ait une entente interministère aussi. Parce que l'éducation, on a des ententes avec la santé, on a des ententes avec Emploi Québec. On a des ententes avec les centres à la petite enfance. Alors, je pense qu'il faut être conscient que ça prend comme une entente entre les différents ministères. Sans ça, la politique nationale, j'ai pas beaucoup d'espoir sur sa faisabilité. Mais de toute façon, l'éducation va être la priorité de la prochaine campagne électorale. Ah, c'est sûr. Comme un c'est doute là-dessus. Hein? C'est sûr. Puis même si le premier ministre a dit que les commissions scolaires étaient là pour rester, je ne suis pas certaine qu'on ne sera pas encore un enjeu électoral. Madame Bouchard, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puisqu'on parle de formation professionnelle, justement, au retour de la pause, on vous fait découvrir le programme de dessin industriel qui est offert ici même à Saint-Jean.
Salut, ici Alexandre Beaudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, spécial 4 chevaliers Toyota. Oui, avec Renaud Lefort, la vedette, qui est déjà arrivé, je pense. Ouais, genre machine. Qu'est-ce qu'il y a, là? Maudite machine, elle m'a volé mon argent. Ah, ben c'est ça. Coulisses bêta, jeudi 19h. Depuis quelques semaines déjà, ici, à cette émission, on vous fait découvrir les différents programmes offerts à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui aujourd'hui, évidemment, est dans deux édifices, un sur la rue Laurier, coin Frontenac, et puis l'autre, évidemment, l'édifice Normandie, qu'on appelle la polyvalente Armoresco. Aujourd'hui, on vous fait découvrir le dessin industriel avec nous deux invités. D'abord, l'enseignante du programme, Martine Choignard. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de l'une de ses élèves, Danielle Duguil. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Tout d'abord, Martine, bon, ça fait quand même quelques années que tu enseignes le dessin industriel. Pour les gens qui ne connaissent pas le, bon, on dit dessin industriel, on peut se faire une image, mais dans la vraie vie, c'est quoi le boulot? Le boulot d'un dessinateur industriel, c'est assez vague, parce que tout ce qui doit être fabriqué doit être dessiné. À partir de là, c'est très, très vague. Fait que j'ai des élèves qui vont aller travailler dans plusieurs domaines. Il n'y a pas nécessairement un domaine précis dans lequel ils vont aller travailler. Ils peuvent aller dans les industries qui fabriquent des pièces mécaniques. Il y a des gens qui travaillent dans les dessins des piscines, qui dessinent des meubles, même dans mes étudiants. C'est très vaste. C'est pas comme un électricien. On sait à peu près ce que ça fait un électricien ou un mécanicien. Le dessin industriel est tellement précis qu'on peut aller dans plusieurs domaines. Donc, dans le fond, que les élèves doivent acquérir en termes de connaissances ou de compétences, c'est quoi? C'est principalement, c'est des logiciels, On a deux logiciels qui est AutoCAD et SolidWorks. AutoCAD, c'est du 2D et SolidWorks, c'est du 3D. On leur apprend aussi toutes les bases, là, les matériaux, tout ce qui est les organes de liaison, les visseries, apprendre à dessiner ces pièces-là. Il y a aussi le pliage de métal. On leur apprend des bases. Vraiment, quand ils sortent, là, ils sont armés avec des bases, puis ils vont dans l'industrie, puis ils vont aller se perfectionner à même leur travail. Daniel, pourquoi on s'inscrit en dessin industriel? Quand on est à la croisée des chemins, parce que bon, il y a toujours les deux cas typiques, soit qu'on est au secondaire, puis on cherche un DEP, ou soit qu'on a déjà une carrière ou un autre boulot dans la vie, puis on se réoriente et on s'en va. Je ne sais pas, dans ton cas, à toi, qu'est-ce qui fait que tu as choisi le dessin industriel? Bien, moi, avant, j'étais en soins infirmiers. J'ai fait deux sessions, puis je suis revenue de Québec à Saint-Jean. Puis j'ai fait la porte ouverte, j'ai fait le tour, puis c'est celui qui m'intéressait le plus parce que j'aime ça dessiner, j'aime les travaux manuels, puis le programme m'intéressait. Donc, tu as vraiment accroché. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a accroché? Est-ce que c'est le fait de créer, de dessiner, de jouer avec des logiciels? Qu'est-ce qui t'interpellait dans le... C'est voir quelqu'un devant moi qui est en train de faire le dessin à la main. Parce que quand on commence les cours, on le fait à la main sur papier. Puis après, on va sur les logiciels. Puis c'est vraiment voir la personne faire ça, puis voir que oui, on peut vraiment dessiner les pièces, puis le faire nous-mêmes. Mais auparavant, tu avais fait le choix d'aller plus vers la santé. Oui. Et ultimement, tu t'es dit non, finalement, c'est pas ma place, je préfère changer d'orientation. Oui, parce que quand tu es dans la santé, tu joues vraiment avec la vie de la personne. Tu travailles trop, tu as un moment d'inattention, bien, ouais. C'est des choses qui arrivent. Là. OK. C'est quoi le profil type des élèves que vous avez en dessin industriel? Des jeunes qui aiment beaucoup les ordis. Ça, à la c'est ben oui, parce qu'on passe notre journée là-dessus. Là. On est vraiment le nez collé sur notre poste de travail. Là, tout le temps. C'est sûr que c'est souvent des jeunes qui aiment des ordinateurs, qui aiment travailler dans leur bulle, parce qu'il y a une grosse partie de notre travail, c'est ça.
On va travailler avec les ingénieurs, avec les techniciens qui vont nous donner des choses à faire et on va être sur notre poste à dessiner. Donc, il y a un aspect très, très, très créatif. Pas du tout. Non? Pas du tout. Non, on réinventera pas les pièces mécaniques. On dit souvent, moi, je leur donne des façons de faire. C'est comme une recette. Moi, je leur apprends un langage. Puis ce langage-là est comme universel. Puis, ils doivent placer les choses au bon endroit pour que les pièces soient bien fabriquées puis qu'il n'y ait pas d'erreur puis que ça coûte moins cher à accompagner. Donc, il n'y a pas de création en tant que telle, mais vraiment de développer ses compétences sur les gestes à poser ou la séquence. Mais de connaître le langage. C'est surtout, il y a des choses qu'on doit placer de différentes façons, puis ça fait en sorte que les pièces vont toujours être bonnes, puis vont fonctionner. Fait qu'on leur apprend à les tolérances dimensionnelles, on leur apprend plein de choses, là, comme comment indiquer pour percer un trou, quelle profondeur, il y a des règles pour juste installer une vis. Fait que c'est, on leur apprend toutes c'est ces quoi, bases. Ça se fait sur papier, hein? C'est ça. Oui, c'est plus des normes. On apprend comment toutes les grandeurs, les vis, les boulons, toutes ces choses-là. C'est ça. Il y a des façons de faire qui font en sorte que tout le monde est capable de lire nos dessins. C'est, bien, tout le monde, ceux qui sont dans le domaine. Ouais. Donc, Actuellement, ici, à l'EPM, vous avez combien de groupes en dessin industriel? On est un des groupes qui est en... on travaille en individualisé. Il n'y en a pas beaucoup. On est un cours individualisé depuis à peu près 9 ans. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'élève arrive, puis on a des documents, on leur remet, puis avance à leur rythme, puis nous autres, on est là pour les accompagner. Okay. Fait que, et là, vous avez combien d'élèves? Jusqu'à 30. Dans la classe, là, on a jusqu'à 30. On est deux enseignants. Si on voit, parce que les élèves mettent leur nom au tableau, pour s'ils ont besoin d'aide, puis si on voit que l'autre prof est débordé, on rentre sur le plancher, c'est qu'on est les deux profs. Est-ce que c'est un programme auquel on refuse des gens ou si parfois vous avez de la place pour intégrer des nouveaux élèves à chaque année, là, quand vous avez les inscriptions? Moi, c'est entrée et sortie continue. C'est que j'ai toujours des gens qui finissent, puis j'ai des gens qui rentrent. C'est tout le temps. Parce qu'ils sont en individuel. Fait qu'il n'y a pas vraiment de mois ou de date de pas départ. Pas du tout. Ça fait que j'en ai, depuis quelques semaines, j'en ai qui rentre un à tous les lundis. Un nouveau? Un nouveau. Puis des fois, c'est comme quatre d'un coup. Ça fait que ça dépend des places qui se libèrent. Toi, Daniel, t'es rendu à quelle étape dans ton cours? Je suis rendue dans le module 9, fait que j'ai à peu près le tiers de fait. Un petit peu moins que la moitié. Est-ce qu'on parle de combien d'heures? C'est 1800 heures, c'est 2 ans. C'est 20. Bien, c'est 2 ans, oui ou non. Oui, j'ai des gens qui l'ont fait en un an et demi. Là. Ça dépend juste de la vitesse de croisière que l'élève prend pour avancer dans ses modules. J'en ai qui sont un petit peu plus longs. On peut se permettre ça en individualisé. Mais habituellement, là, c'est ça. Mais, module 9, pas tout à fait à la moitié, bientôt. Okay. Donc, bientôt à la moitié. Et jusqu'à date, c'est vraiment ce que tu dis, c'est vraiment le bon choix que j'ai fait? Est-ce que ça correspond à ce que tu voulais? Est-ce qu'il y a des trucs même plaisants que tu as découvert, que tu ne connaissais pas du programme? Oui, j'aime bien ça travailler avec AutoCAD parce que tu peux vraiment faire plein de choses avec un seul programme, puis on en apprend vraiment tout le temps. Puis c'est pas parce que tu fais un module complètement là-dessus que tu le connais pas complètement là. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, c'est ça. Parce qu'à mesure, c'est évolutif, hein? Tous nos modules se joignent, puis c'est de l'apprentissage là, rendu. Dans les derniers modules, on embarque tout le bagage, puis on fait des pièces plus compliquées, mais au début, on apprend. Quels sont les critères d'admission ou les préalables, disons, au cours? Disons, un jeune qui nous regarde en ce moment, qui est au secondaire et qui veut se choisir un DEP, qu'est-ce que ça lui prend pour rentrer chez vous? On parle toujours de secondaire 4, habituellement. Ouais. Ils n'ont pas besoin de maths fortes, mais d'avoir des maths de secondaire 4. Pourquoi? Parce qu'on fait de la trigo, on fait de la géométrie, on fait des volumes. Fait que c'est quand même... Mais je sais que des adultes qui arrivent, des fois, ils vont chercher. Ça, c'était mon autre question. Donc, un adulte qui nous regarde, qui dit, c'est peut-être une réorientation de carrière. Donc, qu'est-ce que ça me prend pour m'inscrire? On fait des mathématiques même dans notre cours. Ça fait que c'est sûr qu'ils peuvent se remettre à jour. Puis, étant une
maniaque des maths. Ouais. J'aime beaucoup les maths, fait que je les accompagne là-dedans et ça va bien habituellement. C'est parce que c'est un domaine de mathématiques, le dessin, c'est des maths. Fait que c'est sûr qu'il faut aimer ça. Toi, est-ce que tu aimais les maths? Oui. Ouais. Elle est bonne en mathématiques. Elle a bien répondu. Elle est bonne en mathématiques en plus. Ça aide un peu pour le cours, ça? C'est fondamental? Les maths, oui. Mais on apprend à les aimer. C'est des mal-aimés, hein, les mathématiques. Je dis souvent ça à mes élèves. Souvent, ils arrivent, puis « Oh, moi, j'aimais pas ça au secondaire. » Puis ouais. On apprend à aimer les maths. C'est intéressant, ouais, ça. On applique à quelque chose de concret, donc c'est plaisant. On sait pourquoi on s'en sert. OK. Donc, quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui voudrait s'inscrire à ce programme-là, il n'y a pas vraiment de date de début ou de date de fin, visiblement. Là, j'ai trois ou quatre postes là, qui sont libres parce que des gens qui viennent de quitter. Là. Est-ce que le programme est offert ailleurs en Montérégie ou si vous êtes pas mal les seuls? Il se donne à Sorel ou à Montréal. Bon, c'est un peu loin, c'est ça. Donc, vous avez quand même pas mal d'élèves d'un peu partout. Quand même, qui viennent de loin. Là. Alors, merci à vous deux. Bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux, nous informe que le programme d'emploi d'été est reconduit et même haussé. On a 566 000 $ de disponibles dans le comté fédéral. Donc, si vous êtes un employeur, il y a une période d'inscription. Là, les détails sont inscrits au bas de l'écran. Donc, vous téléphonez à ce numéro-là, évidemment, pour vous inscrire. Chaque semaine, on vous présente les travaux du conseil municipal de Saint-Jean sur Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est notre traditionnel télé-bingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000 et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos petits livrets. Prochain rendez-vous, nous, c'est demain. Bye-bye.